Salut tout le monde et bienvenue, 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 bienvenue sur la chaîne French Time. Mais ça s'écrit comment? En général, il y a trois règles pour écrire le mot bienvenue correctement. Numéro 1, quand le mot bienvenue est au début de la phrase, ça s'écrit comme ça, avec un E à la fin. Par exemple, bienvenue à Paris. Bienvenue mes élèves, bienvenue sur la chaîne French Time. Vous connaissez ce film, Bienvenue chez les Ch'tis. Vous voyez, on écrit le mot bienvenue avec un E à la fin. Voici la deuxième règle. Regardez bien, souhaitez la bienvenue. Après le verbe souhaiter, on dit toujours la bienvenue avec un E à la fin. Par exemple, il souhaite la bienvenue à ses amis. Elle souhaite toujours la bienvenue de manière chaleureuse. Je te souhaite la bienvenue. Je suis une femme ou un homme, peu importe. Je dis cette phrase à une femme ou à un homme, peu importe. On dit toujours souhaiter la bienvenue avec un E à la fin. On arrive à la troisième et à la dernière règle. Regardez bien. Être le bienvenu, être la bienvenue, être les bienvenus, être les bienvenus. Quand on a le verbe être dans une phrase, on doit accorder le mot bienvenu avec le sujet. Par exemple, ton fils est le bienvenu dans notre école. Ici, on a le verbe être. Le sujet est ton fils, masculin singulier. Donc, on doit dire le bienvenu. Ton fils est le bienvenu dans notre école. Ta fille est la bienvenue dans notre école. On a le verbe être. Ta fille est le sujet de la phrase, féminin singulier. Donc, on doit dire la bienvenue. Ta fille est la bienvenue dans notre école. Messieurs, vous êtes les bienvenus. On a le verbe être. Vous est le sujet de la phrase. J'ai dit messieurs, masculin pluriel. Donc, on doit dire les bienvenus avec un S à la fin. Mesdames, vous êtes les bienvenus. On a le verbe être. Vous est le sujet de la phrase. J'ai dit mesdames, féminin pluriel. Donc, on doit dire les bienvenus, ES à la fin. Voici une petite remarque sur ce sujet. Au Canada, le mot bienvenue signifie aussi de rien. Merci beaucoup. Bienvenue. Je te remercie d'être venu. Bienvenue, c'est-à-dire je t'en prie, je vous en prie, de rien. Et maintenant, un tout petit exercice. Mes chers amis, soyez le bienvenu, la bienvenue, les bienvenus, les bienvenus. Soyez est l'impératif du verbe être. Donc, réfléchissez et choisissez la bonne réponse. A, B, C ou bien D. Écrivez la réponse dans les commentaires. Et si vous apprenez le français, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne French Time. Merci beaucoup. À la prochaine.